Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la fonction publique, c'est pas ça. Mais je dis aussi qu'il y a autre chose que la fonction publique. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Ses capacités sont limitées. C'est d'ailleurs un cycle de sous-développement que dans un pays, tout le monde veuille entrer à la fonction publique. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, quoi. Nous tous, nous voulons entrer à la fonction publique. Nous tous qui quittons l'université, les grandes écoles et autres, nous tous, nous voulons aller passer concours pour aller rentrer à la fonction publique. Ça rime à quoi? Pourtant, on sait que pour rentrer dans la fonction publique, c'est vraiment un casse-pied. C'est vraiment un casse-pied. Si tu ne sous-dois pas, ou si, disons, bon, tu ne passes pas par les moyens illégaux pour pouvoir obtenir ce que tu veux comme examen, comme travail par la fonction publique, tu ne peux pas l'obtenir. Du coup, on persiste toujours à être nombreux à vouloir aller passer le concours de la fonction publique. Bon, ça arrive à quoi, en fait? Moi, je trouve qu'il est préférable que tout un chacun de nous, nous cherchions à entreprendre. C'est mieux, quoi. Parce que plus il y aura d'entrepreneurs, plus il y aura moins de personnes dans les bureaux. Parce que tu allais t'asseoir dans les bureaux pour voir. Pendant qu'au dehors, il y a l'argent. C'est au dehors que tout se passe. C'est pas dans les bureaux, les gars. C'est au dehors que tout se passe. On veut tous aller dans la fonction publique pour dépendre de l'État. Parce que chaque fin du mois, on veut obtenir quelque chose dans la poche. Pour être stable. Tu sais que chaque fin du mois, tu auras quelque chose dans la poche. Pourtant, ceux qui sont au dehors, qui grouillent, c'est de là à là. C'est de là à là. Mais quand on dit de là à là aussi, faut pas t'amuser. Donc, moi, je sais pas quoi. Nous tous, on veut partir à la fonction publique. Fonction publique qui est difficile comme ça à pouvoir obtenir. Nous tous, on veut aller. Pourtant, on sait que s'il faut qu'on puisse prendre un nombre de personnes pour mettre à la fonction publique, il faut aussi qu'on vit certaines personnes ou bien il faut que certaines personnes aillent à la retraite. Du coup, il y a quelque chose qui cloche au fait. Qui voudra qu'on le vive avec un? Et nos parents, nos anciens là, qui sont dans les bureaux actuellement, d'autres avec le ventre, d'autres vraiment qui veulent même pas rester, qui veulent pas quitter au fait leur poste. Même dans la vieillesse, on dit va à la retraite, eux c'est pas le problème, eux ils veulent continuer à rester là pour bouffer l'argent. Toute cette mentalité qui est autour de ça, on n'y pense pas, mais on veut quand même nous tous aller à la fonction publique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la fonction publique, c'est pas ça. Mais je dis aussi qu'il y a autre chose que la fonction publique. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Ses capacités sont limitées. C'est d'ailleurs un cycle de sous-développement que dans un pays, tout le monde veuille entrer à la fonction publique. Et ce qui crée la richesse, ce sont les systèmes concrets. On veut toujours que l'État fasse tant. Mais c'est pas l'État. L'État ne peut pas tout faire, en fait. Si nous-mêmes, on ne cherche pas à créer de notre propre imagination. Regardez un peu nos villes actuellement. Vous attendez que l'État vienne construire nos villes. Mais on ne va pas quitter ici. Si nous jeunes cadres, même pas cadres même, on s'associe, c'est ça aussi au fait, le together, s'associer pour faire les choses. L'Africain, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. S'associer pour faire quelque chose, il ne connaît pas ça. Soit quand on va s'associer, il y a quelqu'un qui va déraper et il va mettre le projet à l'eau. Il y a toujours un con qui va se mettre dedans pour toujours tout gâter, le together, tout le monde. Africains ne connaissent pas ça. Nos villes qui sont actuellement, c'est à nous jeunes, notre génération actuelle, de pouvoir le développer, la développer plutôt. Parce que vous pensez qu'en Chine où je suis ici, il a fallu que la génération précédente puisse construire pour que la génération future d'actuelle puisse en profiter actuellement. Les villes qui sont en train de pousser comme des champignons ici, des constructions vraiment à l'européenne, à l'Amérique ici actuellement. Vous pensez que au départ, à la base, ça n'a pas été comment on fait ça, conçu par des anciens d'abord, pour que ceux-là puissent profiter. Mais j'ai dit toujours que la génération ancienne a échoué. Du coup, c'est nous les jeunes qui devons prendre la relève.
Donc si, nous tous on veut partir à la fonction publique, qui va aller construire nos villes? Nous devons tous partir à la fonction publique. Qui est-ce que va chercher à construire les industries, construire les infrastructures et autres pour pouvoir créer des emplois et autres? C'est nous au fait. C'est bien sûr nous de créer tout ça. Il n'y a rien en fonction publique. C'est pas aller dans son bureau, bien, je sais pas, pour avoir un poste confortable et puis bon, c'est fini. Nous tous, on sait que c'est difficile. Du coup, tu as tenté une fois, là, mon frère, il faut laisser, il faut aller faire autre chose. Tenter, à chaque moment, c'est de l'argent. L'argent que tu es en train de mettre dedans, tu peux utiliser ça pour faire un projet. Il y a tellement de projets en Côte d'Ivoire, il y a tellement de projets en Afrique. Je peux vous assurer que tous ceux qui sont à la diaspora, lorsqu'ils viennent à l'étranger, ils sont à la diaspora, c'est là que tu vois l'importance de ton pays. Tu vois tous les projets que tu peux faire de ton pays. Parce que ici, avec mon roommate, c'est-à-dire mon voisin de chambre, il me dit toujours, son pays, vraiment c'est catastrophique. Là-bas, il n'y a pas de liberté, les peuples. Pourtant, ceux qui sont en dehors de son pays parlent bien de son pays. Donc ça m'a amené à comprendre que lorsque tu as l'extérieur de ton pays, tu vois plus, l'importance, le capital que ton pays peut t'apporter, ce que tu peux faire pour améliorer, c'est-à-dire pour faire évoluer au fait ton pays. Alors, ce n'est pas en rentrant dans la fonction publique, en allant se cacher dans la fonction publique, qu'on va voir les opportunités au dehors. Cette vidéo, je la fais juste pour inciter chacun de nous à chercher à entreprendre, à chercher à faire quelque chose autre que la fonction publique. Parce que ce n'est pas là-bas seulement qu'on arrive à réussir. C'est vrai qu'il faut chercher un boulot pour pouvoir démarrer une autre activité, mais ce n'est pas uniquement la fonction publique qu'on peut pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo pourra édifier tout un chacun de nous. Et je vous dis à la prochaine.